mes amis, c'est Hugo, je suis ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode sur Planète Zoo. J'espère que vous êtes tous et toutes bien, donc on se retrouve sur notre gros zoo. Et aujourd'hui, alors j'aimerais bien partir dans ce coin-là, faire, vous voyez, on a vraiment une grosse zone. La zone elle va jusque là, honnêtement. Si on regarde notre zoo, il est vraiment énorme. La superficie, elle est énorme. Et bien, jusque là-bas. Donc, personnellement, je me dirais, il serait intéressant, même judicieux, de faire je dirais, un tunnel partant de là, voilà, pour aller dans l'autre zone. Est-ce que j'aimerais bien construire un autre enclos? Ça serait super. Parce que là, par exemple, il y a des visiteurs qui regardent à la fois cet enclos-là. D'ailleurs, il n'y a pas de panneau. Alors là, attends. C'est quoi ça? Ce sont les rhinos. Rhinocéros blanc. Voilà, c'est bon. Au moins, c'est good. Moi, je pense que ce serait intéressant de faire notre zone ici. On va déjà voir qu'est-ce qu'on peut faire. Donc déjà, regardons un peu nos finances. Donc c'est le zoo. C'est le rhinocéros blanc qui a l'air reconnu. Alors, on a 4 étoiles au niveau note de l'animal, 5 étoiles au niveau de préservation, 4 étoiles et demie sur l'éducation des visiteurs, 0 sur le marketing et 5 sur la conservation des visiteurs. La trésor, bah, elle est plutôt négative. Que si, bon, regardez un peu, donc il y a pas mal de points à améliorer. On n'a aucun délit, donc ça c'est bon. Donc là, les revenus, bon, là on est un peu plus élevé, mais la trésor est encore négative. Dépenses d'exploitation, on est dans le rouge. Va falloir réellement améliorer tout ça. Je vais peut-être faire une publicité. Alors, campagne additionnelle, publicité sur boîte 2. Non. Voilà, je vais faire une petite campagne. Ça sera bon. Et donc, nous disions donc qu'il faudrait peut-être faire un enclos, enfin, une route avec, je dirais, deux routes. Deux routes. Donc, une route pour le personnel, une autre route pour les visiteurs. Voyons voir. On va déjà faire un enclos. On va déjà voir quel animal nous pouvons choisir. Alors, l'alpaga, par exemple, domestiqué, non. On a les bisons, donc déjà. Espèce bison d'Europe. Ça suffit. Ok. Buffle d'Afrique. Espèce quasiment menacée. Ah bah voilà. On peut faire un buffle d'Afrique pour une espèce quasiment menacée. Hmm.
Voyons voir. Déjà, on va prendre le buffle là. On va choisir tout type. Conversation, espèce, danger, critique d'extinction. Voilà. Donc, les animaux qui sont quasi bah, en voie d'extinction, on a le gorille, on a le lion d'Afrique, on a le rhinocéros noir, l'âne sauvage de Somalie. Ah bah on va mettre l'âne sauvage, le rhinocéros noir et le buffle. Guépard, lion. On va essayer de mettre donc le guépard, le rhinocéros noir. Déjà, on va voir s'il peut. Non. S'il y a un partage d'espèces, non. Donc le guépard, le rhinocéros noir, l'âne sauvage. Et le buffle dans cet épisode. Alors, tout d'abord, rhinocéros noir. Voyons voir. Parce qu'on a le rhinocéros blanc du sud. Faire rhinocéros noir. Rhinocéros noir. Alors. Tac. Oh, pas beau. Là, c'est beau. Là, c'est beau. Ok. Alors, lui. Il est plus jeune. Lui, il est plus vieux. Déjà, voyons voir sa zoopédie. Ça serait mieux. Ça, on évite les problèmes. Alors. Le rhinocéros noir, donc Diceros bicornis, est un gros ongulé originaire des prairies et de la brousse du sud et de l'est de l'Afrique. Cette tête est dotée de deux cornes. Bah oui, malheureusement, avec les braconnages. Du coup, ils peuvent être un mâle pour deux femelles. D'accord? Sans voie, quasi en voie d'extinction, c'est triste. Donc, il faut être trois espèces, trois adultes. Donc, niveau 4 de la barrière et 2 mètres. Ok. Et 2000 mètres de terrain. Ok. L'âne, il faut niveau 3 et 1,25 m. Il faut un mâle pour 5 femelles. Mais sinon. S'ils sont célibataires, c'est un mâle pour trois femelles. Je regarde. Ok. Et il peut être avec la daxe, l'autruche d'Afrique et le dromadaire. Déjà, on a deux espèces dont on a les informations. Le guépard. Le guépard, originaire d'Asie, de Russie, de Chine. Il peut être un mâle et une femelle, d'accord. Faites-moi voir, ils peuvent être donc. Donc on a dit 816 mètres carrés, d'accord, niveau 3 et anti-escalade. Ok. Bon, déjà, on va faire le rhinocéros noir. Donc on a dit un mâle pour deux femelles. Donc lequel? On va prendre celui-ci, un mâle pour deux femelles. Hop. 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 Bon, et pas superbe, mais bon. Bref. Vais échanger celui-ci, ça sera fait. Donc. D'abord, premier enclos, ça va être le rhinocéros.
Nous avions dit rhinocéros, on a dit 2000 mètres carrés. Ah, ça va être grand, hein. 2000 mètres carrés pour niveau de 4 et 2 mètres. Ok, alors. Niveau 4, s'il te plaît. Niveau 6 en béton. Niveau 3, niveau 6. Niveau 5, niveau 5. Je vais faire ça, tiens. On va faire un grand cercle, hein, d'ailleurs. Voilà. Tac. Regarde si. Ok, c'est là-bas. Voilà. Déjà, on a fait un enclos. On va faire un second enclos. Et on va faire une espèce de route. Une espèce de route qui va... Alors, on va déjà faire l'allée. Ça sera plus simple. On va faire une allée. Alors, voyons voir. Allez, en mosaïque. Qu'est-ce qui peut être beau? Parquet, non. En écorce, oui, voilà. Alors, tu vas tout droit, mon coco. Voilà. Va faire comme ça. Alors non. Non. Hop. Voilà. Déjà, on a une allée. Une allée, mais dans ce cas-là, il faudrait une autre route. Il faudrait une autre route. Et je pense que si ce qui serait pas mal, c'est donc de faire une voie pour les pour le personnel qui va en dessous. Voilà. On va aller par là. Hop. Non. Non, non, non. Alors. Voilà. Terrain. Ah oui, c'est pas un tunnel.
J'ai pas de tunnel. Ça, c'est fâcheux. C'est fâcheux, c'est fâcheux. Moi, je pense, ce qui serait pas mal, c'est de faire... Voilà, on va faire une allée. Hop, comme ça. Hop. Tac. Je teste. Hop. Avoir une allée comme ça. Uniquement pour le personnel. Et avoir une allée comme ça pour les visiteurs. Je pense que ça serait super. On va faire donc, on a dit l'autre enclos qui va partir de là, il va faire toc toc toc, il va le couler. Donc on reprend notre allée. Hop, on part d'ici. Je vais partir de là. Faire comme ça. Alors non. Là, c'est pas droit. Tac. Voilà, là c'est mieux. Voilà. Et là, on va donc faire un autre enclos. Et il faudra faire une autre zone, une autre entrée pour les visiteurs. Alors, du coup, on va donc faire un enclos, on va reprendre le même, la même, on va dire, caractéristique. Voilà. Là, je fais un petit arrondi. Là, je suis droit. Hop, hop. J'essaye d'être au maximum droit. Donc là, on ralentit. Voilà. Droit. Là, je peux mettre vraiment à fond. Voilà. Là, je diminue au maximum. Hop. Là, je suis droit. Je suis pas droit du tout. Maximum collé. La route.
Voilà. Déjà, ça c'est pas mal. C'est pas mal du coup. Donc la voix, je pars de là. Oh non, même pas. Même pas, j'ai pas besoin. J'ai pas besoin. Voilà. Et donc la nouvelle entrée, il faudra la mettre, je dirais, bah ici. Voilà. Ici, la nouvelle entrée. Donc là, on a l'espace, je dirais, nécessaire. Donc là, par contre, je vais la mieux la faire parce que c'est pas bon. Hop. Alors attends. On va essayer de mieux la faire. À partir de là, non. On va essayer de faire un petit tunnel. Ouais, il faudrait faire un tunnel. Un tunnel. Tac, allez, avec bordure. Pente. Pente courbée avec bordure, fuite latente en borne. Non, c'est moche. Mais il faudrait alors non, j'essaie de trouver un moyen qui puisse descendre. Sauf que ça sert à rien. Ça sert à rien. Ouais. Une espèce de alors une espèce de, je dirais, d'escalier. Est-ce qu'il y a un escalier par exemple? Escalier, escalier, il n'y a rien.
même pas d'escalier, c'est magnifique. C'est pas terrible. Bah tiens, support d'aller, point de com, ils sont là. J'irai une passerelle parce que faut bien qu'ils descendent. Ça ne marche pas. Voilà. Sont descendus, donc ce qui serait pas mal c'est que on est donc cet allée là qui fasse tout ça. Hop, sorte de le grand chemin, ouais. Ouais, que je vois ce que je mets. Alors déjà, donc. Déjà, on a pas mal de choses à faire. Oh, attends, on va remettre. Je vais faire ça. Voilà, on va faire. Faire comme ça. Voilà. Bon, c'est pas terrible, mais bon. C'est mieux que rien. Et donc, mettre un troisième enclos ici, et je pense mettre un quatrième enclos là. Voilà. Donc le troisième enclos. Eh bah, donc on a dit rhinocéros sur l'enclos de gauche. Léopard, ce serait l'enclos de droite. Lin sauvage, bah ça serait l'enclos celui-ci. Là, je vais faire un bon petit carré. Et après, bah, il faudra que je... Or, peut-être que ce... Ah oui, tiens, ouais. Voilà ce qu'on va faire. Donc pour le lin sauvage, on a dit lin sauvage, c'est 620 mètres. Non. Il peut être un mâle pour 3 femelles. Donc on va en mettre 3 individus. Donc il faut au total 945 mètres carrés. Niveau 3 en clôture et 1m25. Ok. Donc niveau 3 de clôture. Donc on va faire pareil. On va partir
de là. On va essayer d'être droit le plus possible. Voilà. Donc là, on fait un petit angle. On diminue. Là, on est droit. Là, on fait un angle. On fait droit maximum. Obstruction. Et bah diminue. Voilà. Tac, là c'est droit. Voilà. Nickel. Donc ça nous fait déjà trois enclos. Ce qui est pas mal. Trois enclos, on va mettre du coup. On va tout de suite mettre le service, donc le code personnel. On va mettre, je dirais, eh ben, en fonction des biomes de nos différents habitants. Alors déjà, l'âne, biome désert. Le rhinocéros, prairie. Et du coup... Notre léopard, taïga. Ok, donc désert, taïga et prairie. Donc désert, on a dit... alors... thème... C'est pas les thèmes. Propriété, non. Il n'y a pas biome. On va faire désert. Alors. Et fuite. On va faire ça, ce sera plus simple. Afrique du Nord. Donc déjà, il faut cabine de soigneur. Donc, on va partir dans grande cabane de soigneur. On va la mettre là. On va la coller ici. Ah. Cabane du soigneur. Zone de quarantaine, on va en mettre une. Grande zone de quarantaine. Faire pareil. Faites coller. Voilà. Donc on a fait les... Cabane de soigneur, zone de quarantaine, cabine vétérinaire. Qu'est-ce qu'on peut mettre? Un, deux. Je dirais. Afrique. Voilà. Afrique et l'Inde. On va en mettre deux.
au milieu. Voilà. Salle du personnel. Grande salle. La grande salle du personnel qu'on va essayer de foutre là. Voilà. Centre de recherche, on n'en a pas besoin. Atelier, oui. Atelier, alors, Asie. Mettre un en Asie. Ouh. On va mettre un petit là. Voilà. Centre d'échange. On va mettre. On n'a pas besoin de grand-chose. Hop. On va mettre. Donc. Le. On va mettre l'éolienne là. On va essayer d'en mettre deux. Parce que là. Je vais en mettre l'un là. Alors je vais mettre un. Ouais. Transformateur là. Voilà. Voilà. Et un traitement de l'eau. Je vais en mettre un là. Et un là. Tac. Alors déjà, on va s'occuper donc des champs des animaux. Donc, les rhinocéros. On a dit le milieu. Voilà, le milieu. Mettre au milieu. Toc, toc, toc. Alors, dans ce cas-là, moi, ce que je vais faire, je vais juste modifier l'allée. Ça. Ben oui, il faut bien une entrée. Voulez-vous comment voulez-vous qu'ils rentrent les gens? Entrez. Et voilà, et d'une. De deux, de trois, et donc la quatrième, il faudra la mettre là, ici. Donc moi, hop, là, allez, je vais m'en occuper. Hop. Tac. Là, on n'a pas besoin de s'étaler. Voilà, parfait. Ça, on va modifier s'étaler.
Tac, hop, pouf. Voilà. Et du coup, là, les... Hop. Là, c'est nickel. C'est nickel. Donc, nos rhinocéros, ils vont être là. Les guépards vont être là. Les ânes vont être là. Et le quatrième, il faudra voir. Donc, échange d'animaux. Touc, touc, touc. Envoyé dans le zoo. Ici. Voilà. Je vais leur faire une petite crevasse. Combat. Alors stop. Que se passe-t-il? Il y a un combat entre lui et lui. Ah bah. Le mal alpha. C'est ça? T'as quel âge? Benjamin. Et ben voilà. Benjamin, voilà, chez la nature. Nickel. Voilà. Donc on a dit un peu d'eau. Non, attends, je vais... Voilà. J'ai dit de l'eau. On va... Ce qu'on va faire, on va lisser. Et alors, il est où? Eh ben oui, mais sauf que on n'a pas de personnel. Donc il faut que je j'en embauche. Donc on a dit deux soigneurs. Un. Deux. Zo. Donc deux soigneurs, deux mécaniciens. Voilà. Agent sécurité, deux vendeurs de vérité rénaire. Un, deux. Et c'est bon. Voilà. Pouf! Ils vont s'occuper rapidement de l'enclos. Moi, je vais améliorer quand même le terrain. Donc, j'ai dit qu'il fallait l'aplanir. Lisser, voilà. Voilà. On va mettre de l'eau. Voilà. Bah déjà, les rhinocéros sont arrivés. Bonjour monsieur, bienvenue. Voilà, bonjour monsieur. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez bien la petite photo qui va avec. Allez, Zou. Donc, t'as besoin de quoi, toi? Faites-moi voir.
Hop, les trois sont arrivés. Alors, il leur faut de l'herbe courte. Ils ont trop d'herbe longue. On va faire alors 50%. Voilà, un peu partout. Faire un peu de terre. Voilà. Voilà, on va faire un petit tout comme ça, voilà. Que je mette des plantes. Et il leur faut du sable. Eh ben. Ah, un peu d'herbe courte. Voilà. Nickel. Donc optimisation filtrée. Alors, il leur faut un abri solide. Bon, on va prendre le grand abri. Je pense que ce sera une bonne idée. On va le mettre là. Voilà. Il leur faut donc une grande auge. On va en mettre une là. Une là et une là. On met le canon à eau là, là et là. Un bain de boue au milieu. Là, là. Des griffoirs, bien sûr. Et là, panneau végétal. Voilà. Met un peu partout. Grosse toupie, hop, un bonhomme de neige, une quille, un marqueur d'herbe, je vais le mettre au milieu ici et on met au niveau ici. Voilà, on va mettre play 500%. Je vais mettre un petit arbre aléatoire là et un autre ici. On va mettre un peu de plantes. Voilà. Tac. Voilà. Tac. Ici, là. Mmh.
Oh là là. Pas mal, ouais, c'est pas mal. Ah, âne commun va s'accoupler, super. Sanglier attendait petit. Ce sont des visiteurs? Ah non, ah bah non, d'accord, super. Voilà. Tac. Donc lui, on a dit que c'était les ânes. Alors les ânes, par contre. Les ânes sauvages de Somalie. Donc, il faut qu'il soit un mâle pour trois femelles. Ok. 945, niveau 3 et 1m25. Ok. Échange d'animaux. Alors. Anne. Anne de Somalie. Anne. E. Anne. Comme un âne de Somalie. Donc, lui il est mieux. Ouais. Tac. Et tac. Ok. Que se passe-t-il? Eh bah, on nettoie tout. Voilà. C'est tout. C'est tout, c'est tout, c'est tout. Donc. Les trois vont ici. Là. Comment vont les rhinocéros? Ils ont l'air bien. Ah, putain. Inconsanguinité, pouf. Pouf, stop. Moi, je vais leur faire une petite, je dirais, oasis. On va agrandir, on va creuser ici. Et je vais lisser. Voilà. Voilà. Et là, je vais mettre du sable tout autour. Voilà. Voilà, saleté, hop. Et du coup, bah pour la nature, je vais mettre des petites plantes à droite et à gauche, par-ci par-là. Hop. Ah, c'est pas mal, je trouve. Ah, bonjour, monsieur l'âne.
Bonjour, stop. Bienvenue au zoo. J'espère que vous allez bien, monsieur Lan. Est-ce que vous auriez eu l'amabilité de relever la tête quand je vous parle? Ça serait super. Ça serait chouette. Ah, bah voilà. Mais il faut que je parle pour que il bouffe de l'herbe, lui. Sans blague. Allez, relève la tête, j'ai envie de te prendre la photo. Ok, d'accord. Ah bah voilà, nickel. Stop. Allez, voilà, nickel. Alors, qu'est-ce qu'il te faut? L'herbe longue, t'en as trop. La terre, t'en as pas assez. Des roches. Car il faut du sable. Voilà. Un peu partout. Voilà. Un peu partout. Tac, qu'est-ce qu'il te faut comme optimisation? Il te faut une grande chose. Donc, tu es de Somalie. Donc, la Somalie, c'est. Je crois que c'est en Asie. Donc, il te faut un truc asiatique, environ. Nouveau monde. Voilà. Eh ben voilà, nickel. Oh non, attends. Je vais te mettre. Hop, je vais te le déplacer, je vais te le mettre là. Voilà. Ouf. Donc, ça, c'est fait. Ensuite, il te faut une boule de forage là. Je vais t'en mettre un peu partout. Grande auge, là, là, et là, bouée à poignée, hop, un chauffage, on va le mettre là, je vais mettre la pompe à eau ici, la pompe à eau là, grosse boule de neige. Un jet d'eau là. Mangeoire suspendu, je vais t'en mettre une là. Une là. Un marqueur à parfum d'herbe. Je vais le mettre au milieu, ici. Et ici. Mangeoire pastèque là. Et là. Un ballon de foot, ici. Et ici. Un grattoir là. Là, là et là, ici, tu rocher à jet d'eau, ouais, non, je vois pas l'intérêt, panneau végétal, ici et ici, ben, je crois que j'ai tout mis. À 100%. C'est bon? Ils sont tous arrivés, les ânes, ou il en manque trois? Alors, on va te mettre quand même des
Des arbres, ça serait super. Un peu partout. Voilà. Tac. Ouf. Hop. Ah bah voilà. Il y a de la concurrence. Pas mal, super. Nickel. Mettre des petits rochers. Voilà. Voilà. C'est pas mal. Nickel. On est pas mal ici. On est pas mal. Alors là, on va mettre tac, 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 tac. Donc on va mettre Anne. Anne de Somalie. Anne de Somalie. On va mettre ici donc. Là, c'est rhinocéros. Rhinocéros noir. Mais elle vient de s'échapper. Que se passe-t-il? Stop. Est pas un peu pénible, lui? Vous n'êtes pas un peu pénible les deux là? Je vais retirer ça. Ah mais oui, mais attendez. Je me suis peut-être trompé. La taille de l'enclos. La taille de l'enclos, 1,25 m, bah pourtant c'est bon. Bah ouais. On va retirer ça, on va retirer ça. Bah oui, pourquoi vous vous échappez? Hein? Vous n'êtes pas bien ici? Un de gambader. Ah, peut-être. Ah oui, attendez. Double. Voilà. Voilà, comme ça au moins, ils peuvent pas s'échapper les deux bourrins. Mes amis, j'ai fait une petite modification. J'ai mis donc, comme je vous l'ai dit au début de vidéo, les buffles sauvages d'Asie. Donc, je suis en train de s'énerver. Voilà, oui, bah mon grand, tu t'énerves. Ah bah super, bravo, magnifique. Magnifique, alors là, tu vas vite.
Capturer d'urgence. Hop. Faut dire que la clôture, elle a un petit souci, la clôture. Alors on va faire ça. Et on va. Voilà. C'est mieux. Comment on va faire? C'est que je vais agrandir toute la clôture. Vous voyez, la clôture est pas terrible là-dessus. Hop. Ça devrait être bon là. Ça devrait être bon. Il est où le buffle? Ah bah ils sont là. Bah oui, mais... Oh bah ils jouent. Ils sont en train de s'amuser. Voilà, les buffles. Sauvages d'Asie. Dans le prochain épisode, sur Planet Zoo, on fera un autre enclos et je ferai l'entrée, la seconde entrée du zoo qui, je pense, va se situer approximativement ici. Voilà. Et après, bah, on agrandira un peu plus le zoo. Quant à moi, bah, on va terminer cet épisode, voilà, avec Monsieur le Buffle qui court, qui court, qui court, qui court. Alors, attends. Stop. Qu'est-ce qui se passe? Pas une température idéale. Ah, la température idéale. L'animal a trop froid. Ok, d'accord. C'est quoi ta température idéale, mon coco? Alors, oui. Pour savoir, c'est dans Zoo. Tac. Alors, buffle sauvage d'Asie, il leur faut entre 17 et 42 degrés. Ah bah, ok, bah, il fallait le dire. Voilà. Ah bah oui, il caille dans le zoo. Il caille dans le zoo. 7, 42 degrés, voilà. Ça devrait être mieux. Oui, voilà. Ça y est. Parfait. Alors, pop, 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 pop. Je reviens à mes buffles. Buffles sauvages d'Asie. Et on va faire un petit tour. Voilà. Donc, mes amis, bah on va s'arrêter là pour cet épisode. Je vais mettre comme ça en gros. J'espère que cet épisode vous aura plu. C'est le cas, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Activez la cloche de notification. Mettez un max de pouces bleus, commentaires et partager mon contenu et ma chaîne au sein des réseaux sociaux et me suivre sur tous les réseaux sociaux qui sont soit en description sous la chaîne, soit en description sous les vidéos. Quant à moi, je vous retrouverai très prochainement pour de nouvelles aventures. D'ici là, prenez soin de vous, de vos proches, de votre famille, et surtout de votre santé. Restez vous-même car vous êtes les meilleurs. Je m'occupe des zèbres parce qu'ils font que des cochonneries. Voilà. C'était Hugo alias The King, toujours pour vous servir et vous apporter du contenu à la fois divertissant, fun, drôle, avec des belles images, voilà, comme ici. Voilà, je vous fais un petit tour global du zoo. La prochaine fois, nous l'agrandirons et on aura d'autres espèces. Je vous fais plein de bisous. Et à bientôt mes amis, bye bye!